Our lips, they tasted like those cigarettes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Là, je pense que au moment où j'aurais posté cette vidéo, Noël, c'est sûr, s'est passé, et le Nouvel An, je pense aussi. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous, vous avez été gâtés, vous avez été avec vos proches, vous en avez bien profité. Et vous n'avez pas pris trop de nouvelles résolutions, parce que comme d'habitude, on en prend, mais on s'y attelle jamais, hein. Non, jamais. Mais bon, si vous en avez pris et que vous arrivez à les tenir, félicitations, bravo à vous. Moi perso, j'en prends jamais parce que je sais que je les tiendrai pas. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de produits terminés. Ça fait un moment qu'il n'y en avait eu sur la chaîne parce que la dernière fois qu'il aurait dû y en avoir une, j'ai perdu les rushs. Donc forcément, pas de rush, pas de vidéo. Mais bon, ça arrive, c'est pas grave, et pas mort d'homme. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc mon sac est juste tout ça, il est rempli comme d'habitude. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse la vidéo relativement rapidement, parce que là j'en pouvais plus d'ouvrir ce sac plein dans ma salle de bain. Donc je parle pas trop fort parce qu'il y a Doudou qui est là. Voilà. Et j'aime pas trop fumer quand il est là, je sais pas. Mais bon, j'aime pas trop ça. Et Bibou est là aussi, hein. Donc forcément, donc si vous entendez pleurer ou... Voilà. Mais bon, Doudou est là, donc normalement Doudou s'en occupe. Normalement. Donc on commence tout de suite pour pas que ça soit trop long. Donc, j'ai pioché de ma main innocente. Oh, puis voilà, ça fait un moment qu'il est dans la salle de bain, j'ai de la poussière. Donc, j'ai terminé en édition limitée un gel lavant donc de la marque de chez Lidl. Donc sien, à chaque fois je sais pas. Donc voilà. Donc à la poire et à la mirabelle. Et celui-là je l'ai vraiment bien kiffé. Donc si je le retrouve, franchement je le reprendrai parce que j'adore ces gels lavants. Voilà, je les adore. Et quand il y en a en édition limitée, c'est encore mieux. Donc 500 ml, donc ça je rachète, oui. Mais je sais pas s'ils vont le refaire celui-ci. Ensuite j'ai terminé un tonique, donc toujours de la même marque, donc de chez Lidl. Et voilà, je prends que les bleus moi. J'aime pas trop le rose. Donc ouais, celui-ci, je l'ai déjà en backup. Donc ouais, je rachète à chaque fois. Et c'est super pratique. Je ferai la compte. Voilà. Ensuite, on a terminé un dentifrice, donc Sensodyne répare et protège, il me semble. Voilà. Fraîcheur, donc en 75 ml. J'ai pas racheté celui-là, mais j'ai racheté un Sensodyne. Parce qu'on a vraiment, là avec le froid, des sensibilités dentaires. Et voilà. Donc on essaye, mais bon, celui-ci, il a pas fonctionné des masses. Donc on n'a pas racheté celui-là. Bien. Ensuite. J'ai terminé donc un paquet de coton. Oh la poussière, mon dieu du jour. Je pense que vous ne voyez pas vous, mais moi c'est juste une horreur. Donc paquet de maxi coton, donc les carrés, donc chez Rubin. Donc ça c'est la marque de chez Aldi. Donc il y en a 60, donc 100% coton. Et je suis pas fan de celle-là, je préfère ceux de chez Lidl. Mais bon, j'en avais acheté plusieurs, donc vous en reverrez la prochaine fois je pense. Mais je suis pas très fan de ceci. J'ai essayé de continuer de les utiliser, voir, mais voilà. Pas convaincue. Ensuite j'ai terminé mon nettoyant chez Lidl. Donc voilà, celui-ci je l'adore. Je l'ai racheté il y a pas longtemps, mais en ce moment j'en utilise un autre que je vous avais montré dans un haul. Mais bon, je vous en reparlerai d'ici peu. Mais voilà, celui-ci, j'aime vraiment bien l'utiliser. Et avec une éponge Conjac, c'est encore mieux. Donc ouais, ça je rachète. Ensuite, vu le gros plein, j'ai terminé un shampoing. Ah, je vais prendre, parce qu'il y a le combo. Et je vois qu'il y a encore il y en a encore dedans. Magnifique. Donc voilà, terminé ou à peu près, hein. Un shampoing et un après-shampoing, donc de chez Garnier, donc le Fructis Force Ultime, parce que c'est pour la chute des cheveux, ça. Cheveux affaiblis, tendance à tomber. Voilà.
Donc j'ai pas remarqué de différence, c'était du backup et enfin voilà, non je rachèterai pas, ça coûte relativement cher pour ce que c'est et non, ça fonctionne pas. Là je perdais moins mes cheveux parce que avec les hormones de grossesse, hein, là maintenant que j'ai accouché ça va être un peu... Ça me fait un petit peu peur là de les reperdre, donc j'ai commencé une cure de For Capage, je verrai bien, mais ça, clairement, ça fonctionne pas, j'ai pas vu vraiment de différence, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé donc une bougie Yankee Candle, c'est la Vanilla Cupcake, donc c'est une moyenne jar, hein, il me semble. Il y a combien là? 411 grammes. J'ai bien aimé. Moi j'aime bien. Cette odeur de gâteau. Ouais, moi j'aime bien. Il va falloir que j'arrive à la vider pour pouvoir m'en servir. Pour que je sais pas trop quoi faire encore. Mais ouais. Mais est-ce que je la rachèterai celle-ci? Oui, je pourrais la racheter. Je crois que même que je dois en avoir en version tartelette de celle-ci. Mais je préfère toujours changer. Voilà. Et une fois que je les aurai peut-être toutes testées, je reprendrai ce que j'avais préféré. Mais ouais, celle-ci, je l'aime bien. Et moi, je les mets dans ma cuisine. Donc, ouais, je pourrais racheter. Mais moi, je rachète rarement les grandes. Et maintenant, je préfère ouais, les tartelettes quand même. C'est quand même bien pratique, les tartelettes. Et c'est vraiment pas cher. Donc, je pourrais racheter, oui. Par contre, je vais la mettre, je ne sais pas où. Alors, ensuite, Doudou a terminé donc un Head & Shoulders. Je sais pas comment je l'ai dit, mais je l'ai dit. Hein. Donc là, c'est le classique. Oh là là, c'est abusé. La poussière qu'il peut y avoir dans la salle de bain, quoi. Donc, ça, oui, on rachète. Voilà. On rachète. Mais bon, c'est de la merde. C'est plein d'éthyl sulfate. Silicone, mais bon, lui il ne jure que par ça. Ensuite, on a terminé donc un gel douche. Oh, la gueule du truc avec le calcaire, gel douche Milden, donc coco. Donc, ça c'est marque Aldi. Et le coco, on a bien aimé. Donc, oui, celui-ci on pourra le racheter sans parabène. Et en 300 ml. Ensuite, on a terminé en édition limitée de la marque Sienne. Un gel douche Miami Beach, noix de coco et vanille. Donc ça c'est en 300 ml. Et non, il n'était pas terrible celui-ci. Donc non. Ensuite, terminé un spray démêlant de chez Intermarché, donc de la marque Label aux fruits rouges. Et non, c'est de la gnognotte. Voilà. Et il n'est pas fini. Mais non, j'en ai râle. J'en ai marre, donc non. Il faut vraiment que je trouve autre chose pour démêler mes cheveux. Parce que non, ça c'est la merde. Voilà, donc non, je rachèterai pas. Ensuite, je n'ai pas fini mais je jette parce que ça fait trop longtemps qu'il est ouvert. Invisible Clear de chez Neutrogena. Donc c'est un gel exfoliant matifiant et j'aimais pas l'utiliser. Non, j'aime pas. Mais bon là ça fait un moment qu'il est ouvert et bon bah je l'utilise pas quoi. Donc ouais, je préfère utiliser une marque pas chère que d'acheter des grandes marques. Enfin c'est bizarre mais j'aime pas utiliser ça. Je préfère utiliser le gommage de chez Lidl. Voilà. Donc ça c'était oui pour limiter les pores et la brillance. Voilà, parce que quand vous avez une peau crasse, mais non, moi j'aime pas. Donc je rachète pas. On a terminé une crème de douche à l'huile d'amande. Donc de chez Lidl. Oui, celui-là il sentait bon. Celui-ci il sentait bon, donc je pourrais le racheter. Donc en 300 ml. Elle va être pleine. Ensuite, nous avons terminé un gel douche. Non, c'est un lait.
Ah mon dieu. Un lait mûr et fleur de cerisier de chez Mon Savon, 100% essentiel, 0% parabène, colorant et phtalate. Voilà. Donc ça, je ne m'en souviens plus. Non, si, santé. Oui, celui-ci, oui. Mais bon, format 250 ml. C'est pas beaucoup, beaucoup. Hein. Déjà 300. Enfin, moi, j'aime bien les grands, grands formats. Voilà. Pas obligé de changer trop, trop. Mais oui, je pourrais racheter. Je sais plus où c'est que je l'avais eu, celui-ci. Mais ouais, je pourrais racheter. Mais voilà, franchement, je sais pas où je l'ai trouvé. Là, je suis. Est-ce qu'on me l'a offert ou je sais plus. Franchement, je sais plus. Mais oui, je pourrais acheter. Ensuite, ça commence à faire bas là. Je le prends sur moi. Ensuite, je jette. Voilà, j'ai fini. Un dissolvant sans acétone, donc de chez Lidl. Donc celui-ci, c'est le rose. Sans acétone, il me semble. Donc oui, je rachète à chaque fois et j'utilise les deux, un coup le bleu, un coup le rose. Ça dépend si je fais du stamping ou pas. Pour nettoyer mes plaques, j'aime bien nettoyer avec le bleu, avec celui à l'acétone, pour bien dégraisser mes plaques. Donc oui, ça je rachète à chaque fois, super pratique. Ils sont pas forcément très très mauvais quoi. Donc voilà. Franchement, ça c'est. C'est un indispensable. Donc, nous on a terminé un gel douche donc de chez Aldi. Pêche blanche, donc sans parabène en 300 ml. Et celui-là, non, clairement, je le rachèterai pas. J'ai pas aimé, ça sent pas terrible. Donc, non, je rachèterai pas. Ensuite, on a terminé un dentifrice Signal Intégral 8 complet. Celui-ci. Je pourrais le racheter, mais c'est pas celui que j'ai en backup. Mais les Signal, oui, de temps en temps, on aime bien. Mais celui-ci, pas pour le moment. Mais oui. J'ai terminé un fluide absorbant Pure Beauty Absorbing Fluid, peau mixte à grasse en 50 ml de l'Institut Arnaud Paris. Donc ça, je l'avais reçu pour test et j'avais super bien aimé. Ça se dit super bien aimé. Enfin, j'avais aimé l'utiliser, ça sentait bon, c'était super pratique avec le flacon. Voilà, comme ça, c'était vraiment bien. Donc, je pense que ça doit coûter une blinde quand même. Et ça fonctionnait plutôt pas trop mal pour ma peau, donc ouais. Il me reste encore le masque à finir. J'ai un peu plus de mal à. Voilà. Mais celui-ci, il était vraiment bien. Donc ouais, si je le retrouve sur un site style vente privée ou autre tout seul, je pourrais le racheter. Ensuite, j'ai terminé une eau démaquillante, démaquille, tonifie, rafraîchit, 3 en 1, donc de chez Carrefour et ça non, je rachèterai pas. Non, non, ça fait pas. Non, ça ne va pas. Non, c'est pas suffisant pour moi. On a terminé pour bébé. Donc c'est un gel lavant sur gras Biolan. Donc sans parabène. Corps, cheveux, sans savon. Donc ne pique pas les yeux. Et oui, ça sent bon. Il sentait bon le bébé avec ça. J'en teste plusieurs là du coup. Je sais pas trop ce que je lui rachèterai. Mais bon, j'en ai pas mal à tester. Dont des grands formats, donc je sais pas trop pour l'instant vers lequel je vais après l'utiliser tout le temps, mais voilà. Donc ça c'était en 50 ml, donc ça c'était un échantillon donné par la Matte, je crois. Oui, je pense. Donc ouais, mais ça sent super bon le produit bébé. Hein. Enfin, celui-là j'ai bien aimé. Et celui qu'on utilise en ce moment c'est Mustela, je crois. Donc à voir. Mais bon, niveau packaging, celui-ci est quand même plus pratique que l'autre. Donc à voir ce que donne en grand format. Mais
Oui, je pourrais racheter, pourquoi pas. Ça doit être quand même. Je sais pas si c'est disponible dans les grandes surfaces ou si c'est vraiment qu'en pharmacie. À voir. Donc j'ai terminé un paquet de disques maxi ovales 100% coton par 70 donc de chez Lidl. Ceci, j'achète un coup les carrés, un coup ceci. Et je les utilise pour nettoyer mes plaques de stamping maintenant. Donc oui, je pourrais les racheter, mais ils sont pas. Pour le démaquillage, je suis pas fan. Ensuite. Ah, je jette une crème anti-vergeture parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Et voilà, et bon, ces trucs-là, clairement, ça marche pas. Hein. Faut pas se leurrer, donc non. Je ne rachèterai pas. Hop. Ensuite, j'ai terminé donc un baume à lèvres de chez Yves Rocher. Donc c'était la collection de Noël de l'année dernière, il me semble. Donc c'est vanille épice. C'est descendu super super vite et il répare pas que dalle. Donc non, je ne rachèterai pas de moi-même. Non. Ensuite, encore un dentifrice. Se lave les dents. Hein. Donc un Signal, donc Intégral 8. Action résiste plus celui-ci et je m'en souviens un peu. Oui, il est violet celui-là. Ah oui, il a la réglisse. Et moi, j'aime pas la réglisse. Donc non, je vais l'éviter celui-là. Non. Non, 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 non. Ensuite, j'ai terminé une tartelette donc de chez Yankee Candle. Donc c'est la Midnight Jasmine. Donc ça sent bon le jasmin. Et voilà. Faut pas trop en abuser parce que c'est vite entêtant. Mais voilà, j'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterai tout de suite maintenant? Non, parce que j'ai un petit peu de stock là. Mais non. Mais oui, ça sent quand même. Mais faut pas en abuser. Voilà. Mais pour l'automne. Moi, j'utiliserai ça en automne. Voilà, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais voilà. Donc oui, je pourrais acheter, mais pas maintenant. Ensuite, je jette donc un nécessaire à sourcils, on va dire ça, de chez ELF. Donc moi, j'ai utilisé que la partie cire, hein, clairement, la partie poudre. Non, et est-ce que je rachèterai? Non. Ça fait un moment que j'ai pas commandé sur ELF. Bien que j'ai un panier de prêt, voilà. Mais non, ça fait un moment que j'ai pas commandé et je sais pas encore trop quoi utiliser pour les sourcils tant que je les tant qu'ils repoussent pas correctement et que j'arrive pas à... enfin qu'ils sont pas suffisamment repoussés pour que je puisse aller me les faire épiler correctement au bas à sourcils, voilà, je sais pas trop quoi utiliser, mais ça non, je rachèterai pas pour le moment. Ensuite, j'ai terminé un autre baume à lèvres. Là, parce qu'avec la grossesse, j'avais les lèvres sèches à fond. Donc j'arrêtais pas de m'en appliquer. Donc c'est le Bio by Nuxe. Bio Beauté by Nuxe. Stick lèvres haute nutrition. 8 heures au cold cream naturel. J'ai dû. Voilà, il m'a même pas fait un mois, je crois. Enfin voilà, c'est. Non, et il répare pas. J'ai vraiment pas aimé. Non. Je ne le rachèterai pas. Non. Alors que c'est du luxe, il est censé quand même mieux marcher que le Yves Rocher, mais non. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. Donc chez L'Occitane à l'amande. Donc c'est la version qui était dans le carnet de la. Carnet. Non, calendrier de l'Avent de l'année dernière. Mais quand je regarde les ouvertures de calendrier de l'Avent sur YouTube de cette année, c'est les mêmes choses qui sont dedans quasi. Donc ouais. J'ai bien fait de ne pas m'en prendre cette année. Donc celui-ci, donc à l'amande. Et j'aime pas. Il y en a, elles adorent cette odeur et moi j'aime pas du tout. Donc je l'ai utilisé, mais. Voilà. Non. J'aime pas, donc non, je rachèterai pas. Et je jette mon éponge Projac. Bah parce que ça y est, elle était en fin de vie.
Donc voilà, je les jette, mais il faut que je pense à m'en recommander parce que oui, j'adore utiliser enfin nettoyer le visage avec une éponge Kodak. Il faut que j'arrête avec ma mémine là. Ah, voilà. Donc j'ai terminé ma vidéo de produits terminés. Mais j'ai vraiment les mains toutes cracra là, c'est un truc de fou quoi. Mon dieu quoi. Je crois que c'est la première fois où mes trucs sont aussi dégueulasses. Donc c'est la première fois où j'attends autant aussi pour la faire la vidéo. Donc c'est peut-être pour ça. Mais oui là ça a bien pris la poussière. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vois que ça a coupé, donc elle fait plus de 20 minutes ma vidéo. J'espère que ça va pas être trop la merde au montage au niveau de la découpe là, qui s'est faite. Mais bon, je ferai comme je pourrai, hein, comme d'habitude. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Enfin, ça dépendra du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bye bye.